Whoop! Oh putain, c'est quoi ce truc? 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 Je vois que tu viens de rencontrer mon vieil ami Max. Quoi? Je ne lui dirai pas en face. Ouh, il devrait vraiment s'occuper de ses problèmes de colère. Avertissement, cette porte doit rester fermée durant les expériences avec le comprimé de diversion. Il ne manquerait plus que le bétail défonce l'entrée du hangar pendant des heures d'opération. Un ancien employé belliqueux nous a suffi. Hein ? Il y a un truc là qu'il faut que je chope. Le tournevis, yes. Oui, le tournevis, c'est bon. Alors attendez. Ah d'accord, j'ai pas besoin de le. Pas besoin de sélectionner, très bien. Et ça, ça va être un outil qui me servira sur la durée. I could plug a chip in there. One eternity later. Il y a un truc que je suis censé faire par ici. Oh putain, je suis un connard. Ça y est, j'ai compris. Oh putain, quelle bande d'enfoirés. Dedans. Hey, got it. Et ça ouvre. Putain de merde, ça y est, on avance. Wouh! Il était temps. Hein. Salut, vous êtes Gary du service électrique, non? Alors ne touchez pas au panneau électrique. Je sais que l'ascenseur est détraqué, je suis en train de m'en occuper, alors prenez un calmant ou un de ces trucs que vous fabriquez ici. Je refais toute la distribution électrique du bâtiment. Alors il y aura des moments de la journée où l'ascenseur ne recevra pas tout le jus dont il a besoin pour fonctionner. C'est la faute de la centrale électrique qui a fait griller toutes les puces du conduit inférieur, à tel point que je dois constamment intervertir les puces de différents panneaux pour faire monter l'ascenseur d'un étage. C'est la vie. D'accord. I could plug a chip in there. Fits perfectly. Ah, c'est la 3V. Et oui, puisque la 2V, elle allume que ça. Et il me faut une 3V. D'accord. Donc pour continuer ici, je suis obligé d'avancer avec Monsieur le Taureau. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est là? Yes. Oh merde. Oh merde. Putain de saloperie. Je m'y attendais pas, putain. Imaginez la chute me tue. Oh, ils ont été sympas, ils m'ont soigné. Oh, c'est très gentil ça, les soins. Ils en remercient. Et je suppose qu'ici, il y a le truc qu'il me faut. Ou pas. Ah, si. Parfait. Tiens, ça m'aurait étonné. Tu ne comprends rien, Wales. Plus tu t'enfonces dans le plus l'obscurité t'englobe. Jouer les électriciens ne changera rien. Alors je vais devoir t'arrêter. Accroche-toi. Super. Quoi? Oh putain. Par celle-ci. Wouhou.
que j'arrive à les remettre tous au même endroit. Blague. Dès que j'en tue, il y en a deux qui viennent. Voilà. On y arrive. Ok. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est le dernier. Yes. Oh, la sauvegarde, merci. C'est quoi comme jeu? C'est Insound Mind sur Xbox. Xbox et PC. Ah ouais. C'est un petit jeu d'horreur. C'est celui qu'on a commencé hier, Simon. Wow, 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 putain de merde. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, puis évidemment, j'ai plus de balles. Va te faire foutre. Et bah tu sais quoi? Hop là, je me casse. Salut connard. Putain. Ah ok. Exactement. Et je t'avoue que là je galère un peu parce que la difficulté elle commence un peu à se sentir là. Oh. Errer sans but. Tant pis. Allez, ouvre-toi. J'ai vu que t'avais commencé Spider-Man, ça a l'air trop bien. C'est sur YouTube, ouais, je l'avais déjà fait. Il est sur YouTube. Oh putain. C'est quoi encore cette affaire ? Ligard voulait juste récupérer son boulot. Si tu avais fait le tien, il n'aurait peut-être pas piqué une aussi grosse crise. Parce que c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Tout ce que c'est, la bonne chose du monde, incapable de se contrôler. Oui, le contrôle, c'est ça le but du jeu. Tu vas devoir en réduire, en découvrir la règle. D'accord. Salle de contrôle de l'assemblage. Tableau des ingrédients du comprimé de diversion expérimentale. Mélange de phéromones, les composés liquides en tube doivent être placés dans les emplacements désignés du dispositif de fabrication avec le récipient au fond. Le flacon de comprimé se trouve dans l'entrepôt. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité et aux règles sanitaires, c'est la grosse machine dans le bas-côté. Fabriquez un comprimé de diversion pour maîtriser le taureau. Trouvez le mélange de phéromones au rez-de-chaussée. Trouvez l'extrait de champignons tripoxibine. Oh putain. Oh! Ok, il m'en faut combien? Oh putain! Putain d'enculé, ça fait plusieurs fois dans le jeu qu'il apparaît comme ça derrière moi, putain. Ah, mais je suis dans la pièce à côté, là. Extrait de champignons tricotés. Quelle tête tu fais? Tu pensais que j'allais te faire à nouveau le coup du congélateur? Accorde-moi un peu de mérite, Doc. Je ne suis pas si fainéant que ça. Il m'a laissé un message pour se foutre de ma gueule, en plus, t'enfoiré. Recherche sur la peur. Très bien, c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est un keycard reader. Il looks new.
pas l'explorer plus loin. Doute, mais je dois croire. Une des scientifiques, Rosemary James, a présenté une proposition de recherche complémentaire intrigante et a demandé à établir une station de recherche près de la tour radio d'Elysium State Park. En temps normal, je ne vous importunerais pas avec une telle demande, mais notre manque de progrès commence à être problématique. J'ai jeté un œil à l'endroit, techniquement il s'agit d'une propriété du gouvernement, et personne n'y a mis les pieds depuis des années. Votre proposition de recherche est tout à fait fascinante, Rosemary. Je n'aurais jamais pensé à intégrer le rayonnement électromagnétique par radio dans nos recherches. Si vous tenez vraiment à présenter votre idée à la hiérarchie, vous avez tout mon soutien. C'est le casier de Rosemary que j'ai chopé. Voilà. C'était ça. Ah, alors une pièce. Oh, les gens. Il y a une pièce comme ça vide. Vous le sentez pas le traquenard là arriver, une pièce comme ça toute vide avec une putain de table au milieu. Ah, je peux pas m'accroupir. Ah si. I wanna be just like you. With you. And with you. And with you. And with you. I wanna be. Pardon. Bon. Qu'est-ce que je récupère là? Ah ah. Je vais me retourner, il y a quelqu'un derrière moi, c'est ça? Et putain de merde, il était là! Je le savais! Allez hop, on descend. Ok, je suis ressorti. Ouais, et puis ça se rouvre derrière toi, mais c'est tellement... Ah, il y a encore autre chose? Il y a une clé! Clé de l'incinérateur, bah voilà. Ok, allez. It's locked. Ah bah je sais, j'ai la clé. Oh, got it. La bonne ambiance quoi, ouais complètement. Ambiance jeu d'horreur quoi, comme on connaît hein. Cours. Oh merde. Ah. Ah. Ok. Ok. Run, bah oui mais... What, mais faut que j'aille où là? Faut que je fasse quoi? Ok mais... Hé hey. Monsieur. Tommy, tu connais Summer of 58? Oui, je l'ai dans ma liste de souhaits. Ah, attends! Je sais pas ce que je dois faire! Oui, donc je disais, une boîte à idées, vous pouvez proposer vos musiques, vos jeux et que, voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Oh la vache! C'est bon, j'ai trouvé. Ouh! Allez! Tu m'as paniqué! Mais j'ai paniqué! Zone de traitement. Wow. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Quoi? Attends, mais pourquoi il y a de la fumée noire là? Oh non, il est là? Vous allez pas me dire qu'il est là ce connard? Oh putain, si, il est rentré. Là-bas! Je vais te tuer! Ah non! C'est quoi ça? Ok, ah! Il est là! Ah putain, mais je suis con! D'accord! Non, c'est bon, j'ai compris! Voilà. Et ça, faut que je le guide jusqu'au bout. Bon, lui, en fait, pour l'instant, il est invincible. C'est pour ça que je peux pas le combattre, les copains. Mais plus tard dans l'histoire, je vais pouvoir le combattre. Parce que j'ai... Allez, c'est qui le boss? Et c'est fini. Par contre, qu'est-ce que ça va faire? C'est bon? Yes. Ok, c'est bon. Et donc, je pense pouvoir l'ouvrir maintenant. Ouais, bah merci, mais j'aimerais bien que tu l'ouvres. J'ai cru que ça allait péter. Ok, donc ça c'est le deuxième ingrédient qui me manquait. Merci. Avec plaisir au couteau. Oh putain! J'ai entendu une déposition, l'opérateur radio de la guerre. Un lien, onde radio, onde cérébrale. Oh. Arc-en-ciel, pourrait être... possible. Ok.
bon. D'accord. A savoir que cette nana, c'est pas la première fois que je l'entends. 6. Hein. Yes. C'est good. Alors ça, ça doit être le... Voilà, c'est ça. Ok. C'est bon, j'ai compris comment ça marche. Allez, let's go. Hey, j'ai les comprimés. Les monstres ont l'air de les aimer. Je vais peut-être y goûter. I hope these are safe. Quoi? Lancer le comprimé ou avaler le comprimé? Quoi? Utiliser les comprimés de diversion pour dompter le taureau.